On ne peut pas payer ces systèmes de retraite. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça que je veux dire à ce monsieur. C'est que il va être dans un... Vous avez quel âge, monsieur? J'ai 33 ans. Mais vous êtes très jeune. Madame Pachelot, et vous allez prendre votre retraite dans 30 ans. On ne va pas pouvoir payer votre retraite. Madame Pachelot, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est toujours les mêmes qui payent la peau cachée. Ça veut dire les pauvres, les travailleurs pauvres. C'est toujours nous. C'est à nous de faire des efforts. Toujours. Tout le monde fait des efforts. Non, mais si, c'est toujours les plus faibles de faire des efforts. À un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut qu'on nous respecte. Il faut que le président de la République puisse entendre la colère du peuple. Parce que la majorité du peuple français est contre cette réforme-là. De toute façon, il y a eu des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui sont passées et la colère populaire a continué dans la rue. Après, ça a été retiré, ça a été aboli. Donc nous, on continue. C'est le scénario que vous avez en tête. Ah, mais absolument.